Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle run sur The Binding of Isaac. Très content de vous retrouver, j'espère que vous êtes bien installés les amis. Et aujourd'hui, petit challenge, donc on va rééquilibrer les comptes, hein. Donc c'était le dernier que j'avais pas encore fait avec vous, donc Meet Forever. Yeah bébé. Et donc dès le début, c'est du lourd quand même, hein. Cette run là, normalement elle est pas compliquée. On commence avec un Cube of Meat level max, donc je peux vous dire que là il y a moyen de temporiser comme un gros cochon et laisser le Cube of Meat aller faire les dégâts. Une bombe contre une clé. Je prends. Voilà. Donc on est sur un Isaac standard en fait, hein, au niveau des statistiques. Par contre le Cube of Meat level 4 fait quand même du bien. Parce que lui derrière il va aller charbonner et il va aller taper du boss, enfin du mob tranquillement. Alors j'ai deux clés mais j'ai pas de bombe. Et on va d'ailleurs, hop, aller voir le boss direct. Pas d'item room, hein, je vous rappelle. On est sur un challenge. Donc du coup on est sur... Hop, des items qui ont été donnés au début, et là en l'occurrence, Cube of Meat level 4. Ah le con! Mais du coup, ouais, pas d'item room, donc ça sert à rien de chercher. Ok, nickel. Alors déjà, de base, direct, un petit Cube of Meat. Hey, question, du coup. Pour ceux qui ont joué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais vous avez réussi à avoir deux Cube of Meat sur cette run-là ou pas? Parce que potentiellement on est censé pouvoir réussir à les avoir. Parce que genre, je commence avec un niveau 4, là j'ai déjà un Cube of Meat level 1. Mais sauf que si je continue à avoir des Cube of Meat jusqu'à la fin de la run, là, je vais avoir... je vais en avoir deux en fait. Ah! Ça peut être rigolo. Ça fait double Pac-Man. Regardez. Paco, 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 paco. Le mec il me suit vraiment comme Pac-Man. Paco, paco, paco. Et après il va aller bouffer les mobs. C'est la run Pac-Man, les gars. C'est Pac-Man qui nous suit, quoi. Mais ça fait vraiment une gueule de Pac-Man, je trouve. Non, vous trouvez pas? C'est moi qui me fais des films ou... Regardez, il a pas une gueule de Pac-Man, franchement. Si, moi je dis, il a une gueule de Pac-Man. Ouais, vu l'état journée... Une pills. C'est tout. En plus, pour avoir 3 poils sur le zizi, vous êtes sérieux? Oh, fuck you, mec. Oh, c'est bof quand même, hein. Une salle comme celle-ci pour avoir une pills pourrie, voilà quoi, c'est pas cool. Bon, heureusement que le Cube of Meat nettoie quand même comme un gros cochon. Voilà, ça permet quand même d'accélérer. Hop, de bien accélérer le clean de la salle. Alors, par contre, je suis un peu dégoûté parce que, genre, même pas un peu de thune, un peu de. Rien de vraiment méga méga utile. Allez, vas-y, on trace direct, écoute. Ah, dommage, pas de Cube of Meat sur ce coup-là. C'est dommage, on aurait déjà pu avoir un Cube of Meat level 2, ça aurait pu être cool. Alors là, je vais essayer de clean... Enfin, voilà, là, de toute façon, je le boss... Ouais, voilà, ok, super. Le boss, je le touchais, mais j'allais dire, j'essaye de clean le plus possible les mouches, comme ça, du coup, je sais que mon Cube of Meat, lui, il peut derrière, dézinguer comme un gros cochon le boss. Alors, franchement, Guppy... Dead Cat, ça me sauce pas, et... Ouais, ça me sauce pas. Je pense que là, si on peut, on va jouer beaucoup plus les Devil Deal que ce qu'on fait d'habitude. Parce que là, on a quand même une composition et un Cube of Meat level 4, ça aide et ça simplifie énormément la run. Donc là, je pense qu'on peut se permettre de sacrifier un peu de vie pour récupérer les items. Bon, par contre, il y a quand même un minimum. Il faut que les items, il faut qu'ils valent le coup un minimum. Parce que là, je sais pas, j'étais pas convaincu. Peut-être que vous auriez pris, vous, le Dead Cat, j'en sais rien. Mais là j'étais pas... Ouais j'étais pas saucé. Ok, vas-y, récupère, il peut y avoir de l'item. Double clé, c'est pas ouf mais c'est toujours ça. Encore une fois, normalement sur ces premiers étages on est censé faire du clean assez simple avec assez simplement et assez rapidement avec le Cube of Meat. Voilà, fait péter, voilà. Prochaine vague, clac 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 clac, voilà, l'autre il est mort. Vas-y, vas-y, reste sur celui-là, on est tous les deux sur le même, voilà. Ok, ça accélère bien les choses quand même. Je vais essayer de lui mettre un petit coup... Hop, petit Cube of Meat. Tiens, hop. Non, je l'ai pas eu celui-là. Alors, par contre, là, faut juste bien esquiver ces projectiles de merdouille. Ok, ça passe. Un cœur, je peux pas le récupérer, c'est pas grave. On en a un de rechange ici, au cas où on en a besoin. Alors là, mon gars, tu vas avoir du clean. Eh, on pouvait rester sur le même, histoire d'aller plus vite, là. Voilà, comme ça. Allez, fais le tour. Ok, nickel. Encore de la vie. Par contre, au niveau de la vie, là, on a... Ah ouais, on en a ici aussi. On a du stock. Du coup, je pourrais...
Ouais, on peut le faire, on peut aller dans la salle du bas, on sait jamais, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Je suis pas non plus méga pété de fric ou d'item. De la merde et de la merde. Merci, je suis heureux d'être venu ici pour rien. Je veux dire, la salle, useless au possible. En plus, je suis revenu en arrière exprès pour ça. Et bah voilà, ça s'appelle ne pas avoir de chance. Allez, hop, on va tenter ce côté-là, écoutez. Hein. Allez, hop, ta barre de vie, on l'a pas vue. Elle a défilé de manière dégueulasse. Oh là là, ça clean tellement vite. Je peux ouvrir n'importe quelle salle gratos. Est-ce que ça vaut le coup de tenter d'aller dans le shop? En vrai, le shop, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais... Mais on s'en fout. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Ouais, si, on peut quand même avoir des items, hein. Faut pas pousser, hein, mais... Bon, en tout cas, le shop est juste ici, donc à la limite, là, ça coûte rien d'aller faire un tour. Hein. Ok, tiens, pas mal. Une bombe, une carte de tarot, un trinket, on ouvre la porte gratos. Putain, mais j'ai pas la thune. Mais quel boulet. Parce que là, franchement, les deux m'intéressent ici, en fait. Hein. Les deux m'intéressent. J'ai deux bombes. Donc on va faire ça, ça... Ah, quoique... Ah, oh, j'ai merdé. Attends, on va essayer de la jouer fine. Là, ici, j'ai deux cœurs et demi. À droite, c'est une machine de tempérance, on est d'accord? Ouais, ok, d'accord. Bon, il y a moyen de se faire du fric. On va ramasser du fric, les mecs. On va ramasser masse de fric. Et les items, on va tout prendre à la boutique. Oh, bah... Nickel, Michel. Voilà, on est pété. Ça, c'est bien. Ça, c'est optimisé, je vous le dis. J'ai failli faire de la merde quand même, hein. À un moment donné. J'ai failli mal calculer mon coup plutôt. J'ai pas fait de la merde, mais bon. Ça on prend. Hop, on se rajoute un cœur direct. Donc là, on n'est pas trop mal. Il me reste 6 de thunes, donc c'est pas trop mal. Je peux continuer un peu à récupérer, hein, de la vie, parce que là, ici, j'ai combien? Alors, un demi, on prend. Et toi, t'as quoi ici? Un demi, ouais, on va pas se faire chier à taper de la tempérance juste pour ça. Tempérance en soi. Enfin, la machine à sang, celle-ci, si vous la farmez un petit peu, au bout d'un moment, vous pouvez avoir un HP upgrade. Et je crois que le HP, en plus, vous met full life. Donc c'est quand même pas mal, en vrai. Hein. Sauf qu'il faut en lâcher un petit peu, quand même. Il faut en lâcher un petit peu, donc faut avoir soit beaucoup de cœur par terre. Là, en soi, si le boss nous lâche blinde de vie, on peut aller le faire. On peut essayer d'aller gambler encore un tout petit peu. Non. Et dans le pire des cas, de toute façon, vous récupérez masse de fric. Donc dans tous les cas, vous êtes quand même gagnant. Le problème, c'est qu'il me lâche un demi. Et on parle pas de bière, hein, on parle... Ouais, donc du coup, j'ai même pas envie de perdre de temps à revenir en arrière, c'est bon. Vraiment pas envie de perdre de temps avec ça. Bref, allez, donc là, on est en mode Double Cube of Meat. Enfin, Cube of Meat level 2, pardon, c'est ça que je voulais dire, plutôt. Donc, ouais, peut-être qu'on peut continuer à l'upgrade, ça pourrait être rigolo d'en avoir un double. A voir après en termes de dégâts, est-ce que c'est vraiment, vraiment efficace, j'en sais rien, mais ça peut être rigolo. Un Double Pac-Man, les mecs. Pacou, 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 pacou. Okay. En tout cas, on clean les salles de manière assez dégueulasse. Hein. J'avoue que lui, j'aime bien. Fais péter un HP upgrade. Comme ça, après, on va se faire le petit Devil Deal de l'amour. Encore? Ah, carrément. The Book of Sin. Franchement, je préfère garder ça. Très honnêtement, je préfère garder ça. Par contre, je suis pas fan de cette config de salle, là. Bon, on a tout nettoyé. Ouais, ok, c'est bon, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ok, on clean. Et Cube of Meat level 4, notamment dans les premières salles, c'est quand même ultra destructeur. Hein. Y a pas à chier. Y a pas à tortiller du popotain, comme on dit. Alors, évitons de se faire toucher, si je peux, bien évidemment. Vas-y, fais-le tranquille, voilà, prends-le dans un coin, voilà, parfait. Du coup, ça me fait un cœur, double cœur. J'ai deux pièces, donc en vrai, ça sert pas à grand-chose de venir gambler ici. Sauf si après, je veux me refaire chier à rebalancer là de la vie dans la machine de droite, mais... Oh, le kit... Oh si, on va prendre ça.
On va prendre ça, ça augmente la chance, donc si, j'aime bien. Puis c'est pas le truc que je prends tout le temps en fait. C'est pas le trinket qui apparaît tout le temps vu que je l'ai débloqué il y a pas très longtemps je crois. Donc ouais, ça change. En tout cas, salle du boss, elle est là, ça c'est plutôt nice. Putain, ils sont trop rapides pour mon cube of meat là. Vas-y, clean. Bah laisse tomber la mouche mec, on s'en fout de la mouche là. Attends, on va quand même récupérer la clé. Mais la mouche tu peux la laisser, c'est pas le... il est un peu relou lui. Dans mes souvenirs, c'est un boss qui est un petit peu relou. Donc espérons qu'il... Ouais, espérons qu'il arrive à sauter assez rapidement parce que je l'aime vraiment pas. En plus, avec ces espèces de merde rouge qui repop à chaque fois là, c'est vraiment chiant. Vas-y, Cube of Meat, c'est le moment de montrer que t'es ultra efficace, t'as vu? Vous avez vu l'espèce de merde là, il repousse à chaque fois. Je sais pas si on l'a déjà vu en vidéo ce boss là, pour être honnête, je m'en rappelle plus. Mais c'est pas un boss que j'aime, hein. J'aime pas du tout ce boss là. Et puis il a quand même pas mal de vitesse ce petit bâtard. Pas mal de vitesse. Bon allez, arrête, crève. Ok. Alors, il est mort. Pigeon Boy. Cet item, je suis pas fan. Hein. C'est bien d'avoir de l'argent, mais je suis pas très fan. Ici. Ah ouais, toi t'es comme ça, tu me files la Bible direct. Donc là, en fait, on a moyen d'aller voir Mom et de la one-shot et d'accélérer la run à donf. Ouais, écoute, on va accélérer la run. Hein. La run n'est pas compliquée, c'est sympa parce que du coup, ça vous permet de voir un peu les différents challenges. Mais comme la run n'est pas compliquée, autant voilà, autant y aller et clean assez rapidement, entre guillemets. Ça vous permet de voir... Et merde, ça vous permet de voir les choses et ça sert à rien de se taper contre Mom pendant 5 minutes. On l'a déjà vu plusieurs fois en soi. Hein. Voilà. Eh, Cube of Meat, tu te touches la nouille là ou comment ça se passe? Les mouches, elles t'intéressaient pas Ah, eux, j'aime pas trop eux, ces mobs là. Ok, voilà, on va rester à distance si on le peut. Voilà, comme ça le cube, il fait son dégât, la bodega. Ok, nice, franchement c'est propre. Espérons que le boss est de ce côté là. Soit de ce côté là, non c'est pas le cas. Ok. Cassos. Je l'aurais bien vu ici, comme ça ça permettait d'enchaîner direct, de pas faire une run de 40 minutes pour aller taper le boss. Ok, la thune on prend. C'est toujours pratique d'avoir de la mastunas, boulas. Ah bah forcément tu vas te focus sur les... Ah tu fais chier. Ah putain, c'était sûr. Ah, par contre j'ai fait de la merde, j'ai marché dans cette espèce de mélasse pourrie là. Ok, j'ai joué vraiment comme une merde, j'ai perdu énormément de vie. Et l'autre là, il est en train de se frotter à la tourelle comme une merde là. T'es sérieux? Ah, tu fais chier mec, tu fais chier. On pourrait farmer un peu de thunes au niveau de la tempérance, mais j'ai pas envie. Hop. Voilà, attends, hop. Ouais, je t'ai vu venir toi, petit saligo. Ok, nickel. Toujours pas de salle de boss, par contre ici, la petite bombe des familles. Avec le passage secret des familles, ça fait pas de mal. Bon, l'argent qui est là, je pense que je vais pas me faire chier. Voilà, 3 pièces, ok. Ça me va. Ah la vache, je suis dans la... Ouais, je suis bloqué, ouais. Je déteste ce genre de salle pourrie là. Sérieusement. J'ai perdu pas mal de vie, mais c'est dur à esquiver ces salles là. Hein. Quand on arrive comme ça au début là. C'est chaud hein. Voilà, je vais le laisser tirer. Voilà. On va essayer de tempo un petit peu. Oh, t'es sérieux, il a réussi à me toucher. Mais vraiment, vraiment. Ah, tu fais chier. Oh la vache. Ok, ça a failli être très chaud, mais c'est passé. Très bien. En soi, la boutique, on peut se permettre... Oh non, non. Non, mais pourquoi? J'aurais pu avoir un peu de vie à acheter ou quelques items sympas, quoi. Bon, ok, au niveau de la thune, là, on commence à être plutôt pété. Hein. Allez, on va au boss direct. On va pas tricoter et chercher midi à 14h. Alors, attends, par contre, les mouches... Oh, t'es sérieux, je me fais toucher. J'allais dire, les mouches, on va s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et je me la prends... Dans les chicots, forcément. Ok, donc là les invocations on les gère pas trop mal hein, parce qu'il a à peine le temps d'invoquer que on les spawn kill ces invoques en fait. Hein. Alors, pas l'autre, elle est encore là. Ça met là, c'est ralenti. Ah le bâtard. Ah le bâtard. C'est le frère d'Albator.
Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Crève, 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 crève. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que là, t'es vraiment chiant. Ça devrait passer. Ça passe. Ok, alors, attends. On peut récupérer de la vie. Par contre, je suis pas full life. Ici, bah ouais, on va forcément le récupérer. Je suis pas full life. Il me manque pas grand-chose. On va juste aller chercher rapidement le cœur qu'il me manque. Histoire qu'on soit quand même un petit peu plus tranquille sur... Enfin, un peu plus tranquille. Qu'on parte full vie dès l'étage suivant, en fait. Hein. J'aime pas faire ça. Hein. Franchement, j'aime pas faire ça. À la limite, si je joue en mode détente dans mon coin sans record, ce genre de truc, je le fais, voilà. Je le fais sans trop de soucis. Mais c'est vrai quand c'est en record, j'aime bien quand même accélérer. Enfin, accélérer. Que ça avance, en fait. Hein. Mais voilà, je préfère être quand même full vie. Je vous avouerai qu'on a 4 cœurs. C'est cool, mais on n'est pas encore non plus en mode ultra méga tranquille. Hein. Même si on a un cube of meat max, un cube of meat level 2 et qu'on a un autre petit orbital qui tire aussi. Hein. Il tire aussi, donc il n'est pas si dégueulasse que ça. Il n'est pas si dégueulasse que ça, mais tout de même. Alors ça, je déteste ces trucs de merde. Ah, double mini boss. Ah, je me suis fait tout plaît, hein. Sérieusement. Ça me gave de me faire toucher parce que j'avais moyen d'esquiver le truc easy et ça me gave en fait. Ah, j'ai failli me faire toucher. Ok, on récupère la bombe. Bon, j'ai pris qu'un demi-cœur, tu vas me dire en soi, hein, mais voilà, c'est jamais agréable. Ouais, si la boutique, on va là. Ah, quand même. Machine à sous, j'en veux pas, c'est un peu pourri quand même. Hein. J'ai déjà essayé de faire une run, je crois pas que c'était en vidéo, mais une run où j'avais tryhard un petit peu cet item. Et ouf, c'est pas ultra méga rentable en fait comme... Oh yes. Attends mec, une pièce et direct l'item. Ça s'appelle la rentabilité, hein, je vous le dis direct. Parce que généralement, il faut en mettre beaucoup plus de cœur que ça avant de l'obtenir. Hein. Il faut mettre beaucoup plus d'items que ça. D'items, j'ai du mal, de cœur. Mais enfin, vous m'avez compris, hein. Voilà, TMTC. Ah, mais attends, la rentabilité. Ah, mais tu me diras, le Lucky Too, je pense qu'il doit bien aider aussi. Vu que j'ai ma chance qui est augmentée à fond. Justement, il faut pas hésiter à gambler. Et là, c'est en train d'être ultra bénéfique. Sachant qu'on lui mettra quand même une petite bombe dans les chicots avant de partir. Carte de tarot, ouais, si, je prends la carte de tarot. The Empress, ah, Tower, non, je suis pas un gros fan de celle-là. Vas-y. Encore un petit cœur. Bon, j'avoue, tu m'en as donné pas mal, mais je veux dire, on sait jamais. Hein. Ok. Non. Bon, les clés, les bombes, je suis plutôt pété, donc en soi, c'est pas nécessaire. Hein. Ok, bon, à mon avis, il va plus rien me donner. Ah, il me donne une pills quand même. Hein. I found pills. Ok, donc ça sert à rien, mais c'est pas grave. Par où on va donc? De toute façon, c'est soit à droite, soit en haut. Oh putain! Oh, mais voilà pourquoi je déteste ces trucs là. Parce que tu repasses d'une salle à une autre, t'es à moitié endormi et tu te prends ce genre de merde dans les dents, c'est insupportable quoi. Bon, tu me diras, c'est fait exprès, hein, le jeu. Enfin voilà, ils ont pas mis ce truc là pour rien. Ils savaient très bien que ça allait te faire chier, donc bien évidemment qu'ils l'ont mis. Appelle-les idiots, tiens, ça fait partie du gameplay. Voilà, ça fait plutôt partie de la casse-couille rose, hein. Ah, il m'a touché. Putain, comment tu m'as touché, là, mec? Hey, mec, comment tu m'as touché? Alors, un cœur de moins, ça, c'est bien. Ah, je me suis bloqué. Ah, fait chier. Attends, on va focus le cœur, parce que ça, c'est une vraie merde. Voilà. Et le problème, c'est que le Cube of Meat, il a plutôt tendance à rester bloqué sur le masque, plutôt que d'aller taper le cœur, en fait. Alors que c'est le cœur qu'il faut rape. Ok, bon ça va être easy, voilà. On nettoie. Ah, et tu me donnes rien en plus, c'est très gentil de ta part. On pourrait gambler encore un petit peu, mais là ça a aucun intérêt, je pense qu'on n'aura pas grand chose. On n'aura vraiment pas grand chose. Ah là 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 là, je pensais que j'allais le tuer en étant au cac comme ça, bon c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, évitons quand même de continuer à perdre de la vie comme ça. Ok, la bombe, je m'en fous. Salle du boss, t'es où? Allez.
Ok, nickel. Non, ça sert à rien de récupérer le cœur. Je suis full. Salut maman! Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Bleh. Alors là, il y a moyen d'avoir de la vie. Voilà, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Deux cœurs. Allez, Cassos. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal sur cette run. Ça fait plaisir. Alors attention quand même, parce qu'il y a des projectiles de partout. Ça peut aller très très vite. Voilà, hop, ça vient vraiment de partout. Hein. Et je me suis bloqué. Je l'ai senti venir en fait, hein, mais... J'ai eu du mal à me focus et à savoir... The Devil. Ah merde, c'était pas ce que je pensais. GG, la carte cramée pour rien. C'est pas grave, voilà. Oh putain, lui j'aime pas. Alors lui, franchement, lui c'est un boss, mais il pue tellement du cul. Je pense que si on peut temporiser, on va laisser notre Cube of Meat tout faire tout seul. Enfin quoi que tu me diras, j'ai un bon DPS. Ok. Ah, je supporte pas ce boss. Tu peux te retrouver à perdre mais toute ta vie avec ce mec-là. Ici, c'est une horreur. Oh, mais vous êtes sérieux? Sérieusement, double dose? Non, mais heureusement qu'on a le Cube of Meat, hein, parce que ce mec-là, il est tellement chiant. Voilà, on va juste attendre qu'il passe devant pour se prendre tout dans la gueule. Voilà, voilà, on va se cacher un peu comme des couards. Voilà. Ah ouais, non, j'aime pas ce boss-là. Je l'aime vraiment pas parce que... Ah tu... Enfin voilà, tu... il a un comportement... Il y a quelque chose qui fait que j'aime pas, voilà, il n'y a pas de débat. Alors là, je vous avouerai que ça a pété de partout, j'ai pas tout suivi, sauf que j'ai vu qu'à un moment donné, j'ai dû perdre un cœur entier. Cul-de-sac, ça m'arrange pas, parce que perdre du temps dans ces salles-là, c'est quand même dangereux. Bon, même si j'ai quand même un petit peu de vie, hein. Mais c'est quand même dangereux de perdre du temps dans ces salles pourries, hein. Ok, donc en bas, non, je peux aller en haut. Ah, je peux aller à gauche, le boss, il... Où est-ce qu'il est le boss? Ouais, je le verrai bien à droite, en fait. Ce qui veut strictement rien dire, hein. C'est... Enfin, clairement, c'est juste du pif, hein, mais je sais pas, je le verrai bien à droite. Ah, attention, attention à l'œil, là. Ok. Ok, c'est pas trop mal, là, c'est pas trop mal. Bim, 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 nickel. Alors. Ah, encore. Ah, ah là là, ce genre de... Ah bah il est là, cool. Ce genre de vie perdue à chaque fois, entre guillemets un peu bêtement, c'est vrai que c'est chiant parce que... Et merde, c'est la somme de ce genre de petites erreurs qui coûtent très cher à la fin d'une run en fait. Donc Ok, par contre lui ça va quand même... Non, 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 lui ça va quand même très très vite. Non, casse-toi. Ouais, le Cube of Meat fait vraiment le taf, hein. Le Cube of Meat fait vraiment, vraiment le taf. Alors, HP, tac, 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 on prend tout ça. Devil Deal. Devil Deal, je serais quand même bien chaud pour prendre un truc, hein. On va pas prendre le Brimstone, mais on va prendre ça. Voilà, Demon Wings. Comme ça, du coup, on vole, donc on est plutôt bien. Parce que voler, c'est cool. Enfin, dans la vraie vie, voler, c'est mal, mais dans le jeu, voler, c'est le truc le plus cheaté du monde. Voilà, on tourne autour. Non, 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 je préfère garder ça quand même. On tourne autour comme des cons. Non, aucun des deux, mais de toute façon, vu les clés que j'avais, je pouvais me permettre d'ouvrir ça tranquillement. Hein. Voilà. Voilà, on esquive tout ça. C'est ralenti, c'est plutôt une bonne chose. Et même si notre Cube of Meat a pas masse de vitesse, on a pu... Oh, tic, surtout pas. Non, merci. 8 pièces, franchement, il y a moyen d'avoir un petit cœur vite fait, non? Direct. Ah, c'est bien d'avoir de la chance, quand même. Hein. C'est vrai que c'est un paramètre que... Je vais pas dire que je négligeais, mais c'est un paramètre où... Ah ouais, d'accord, il a déjà pété. C'est un paramètre où je m'en battais un petit peu les cacahuètes au début, tu vois. Genre, quand tu joues à Isaac, tu dis, ouais, chance, etc. Pff, on s'en fout un petit peu, quoi, tu vois. C'est pas le truc le plus important, toi. Tu veux de la vie, du dégât... Tu tears up, mais tu t'en fous un petit peu en fait à la base de la chance. Et petit à petit, quand tu commences à faire des runs où t'as justement ce paramètre là qui est bien monté, c'est là que tu te rends compte de l'impact du truc et c'est pas un paramètre négligeable, bien au contraire. Bien au contraire. Merde. Là par contre, j'ai perdu de la vie un peu comme un boulet. Ouais, je crois qu'on va le laisser gérer parce que vu le nombre de cailloux qui est un peu partout, c'est chiant. Voilà. Parfait.
Oh la vache! Il était balèze ton rayon laser, mec. Encore? Putain, mais c'est un putain de sniper, quoi. Je peux rien faire du cœur. La thune, elle va me servir à rien ici. Je sens bien la salle du boss sur la gauche, là. Oh, cul de sac! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le boss le plus dur du monde, hein. On devrait le rincer parce que j'ai quand même un petit peu de dégâts. Et puis encore une fois. Putain, là, par contre, il... Oh la vache! Alors attention au cube of meat qui peut qui peut me faire péter les mouches dans la tête au mauvais moment. Ok, ici ça passe. Ça passe, ça passe. Alors bien évidemment le boss... Ouais, c'est bien un cul-de-sac. Bien évidemment le boss n'est pas là, sinon ce serait pas drôle. Bah, là pour le coup je le verrais bien tout à... Ouais, j'en sais rien. Salle d'arcade. Bah attends, avec la chance qu'on a, il y a moyen que tu me lâches un HP upgrade, non? Ah, fait péter. Quoi qu'en soit, j'en ai peut-être pas forcément besoin, mais écoutez... Hein. Oh! Ah ouais! Carrément! Carrément! Non, ça on s'en fout, allez, on se barre. Ok, bon, je pense que là, il n'y a pas trop de questions à se poser sur l'issue de la run, soyons honnêtes. Je peux faire de la merde, je peux faire de la merde, hein, mais bon, quand même. Quand même, quand même. Je suis pas trop inquiet là, pour être honnête. Voilà, tiens, hop, toi on va te nettoyer tranquille, toi ça va être pareil. Pff, la bombe je la récupère, mais je m'en fous un petit peu de la bombe. Voilà, l'idéal c'est de nettoyer les petites araignées, elles sont un peu reloues quand même. Ok. Ça passe, bon bah il nous reste plus qu'à trouver cette fucking salle du boss et on est bon hein. Oh t'es sérieux, encore un cul-de-sac quoi. Je crois que je m'en suis pris pas mal sur cet étage hein. Je m'en suis pris quand même pas mal, hein. Pills! Ah bah vas-y, prends-la. Au pire, ça te fait 3 poils de plus sur la bistouquette. Par contre, eux, à chaque fois, je me les prends quand même pas mal dans les chicots. Hein. Allez, va te suicider. Oh merde! Je me suis dit en plus, je fais... Bon, allez, on va peut-être pas jouer au con avec les pills. Allez, tears down. Bon, allez, c'est pas... C'est pas super grave, hein, c'est pas super grave. Allez, finis-le. J'ai mis pas mal de dégâts, donc tu pouvais le terminer tranquille. Toi, c'est quoi, toi? Pas de trip. Putain, je suis en train de toutes les faire, là. Toutes les effets négatifs, je suis en train de tous me les prendre. Oh là 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 là. Bon, on va esquiver son... Sa petite merdouille. Voilà. Parfait. On est bien, on est bien. De toute façon, une fois qu'on atteint la salle du boss, c'est terminé. Hein. Y a aucune inquiétude à avoir. Hein. Putain, mais... T'as vu? Je suis en train de me prendre, mais réellement, tous les cul-de-sac possibles et inimaginables. Hein. Ah mais non, je suis con, j'ai pas vu. Putain, j'étais tellement focus. Tellement focus sur mon perso à esquiver les projectiles que j'ai pas vu qu'il y avait la salle du boss sur la gauche. Boulet, boulet, boulet. Allez hop, c'est parti. Salut! Je t'ai rape vraiment de manière très très dégueulasse. Mais vraiment de manière très dégueulasse. Vous savez quoi, en soi, on peut continuer. Hein. On peut continuer. Alors le challenge est terminé, vous n'êtes pas obligé de faire ça, bien évidemment. Mais pour le LOLs et pour le sport, on peut continuer à aller se faire plaisir. Je me suis fait toucher là. Putain, il faut que j'ouvre mes yeux de temps en temps parce que des fois j'ai l'impression de prendre des projectiles, je sais pas d'où ils viennent. Bon, pourtant, je me les prends forcément, hein. À un moment donné, il faut pas être... Il y a une limite à la mauvaise... Eh, merde. Il y a une limite à la mauvaise foi. C'est dans ce genre de cas où le Book of Revelations pourrait être pas mal, hein. Histoire de se réinjecter quelques petits PV en plus. Allez, voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça, c'est le Steam Sale. Est-ce que vraiment, j'en ai l'utilité? Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça, c'est le petit bonus de l'amour, les amis. Le challenge étant déjà terminé, encore une fois, mais voilà. Comme ça, ça permet de... d'essayer de retourner voir Sheol, tranquillou. En mode easy peasy, si c'est possible. Bon, ça se trouve, je vais me faire rape en mode dégueulasse. Hein. Surtout que j'ai pas eu tant d'items que ça, donc... je pense pas qu'on ait un DPS vraiment énorme, pour être honnête. Vas-y, voilà. Là, j'ai rien à faire. Viens pas m'en kikiner, tu vas te le faire. On n'a pas... Oh, putain. On n'a pas un DPS énorme.
Ah, oh, shit. Shit happens. Ah, ça c'est cool par contre. On n'a pas un DPS énorme. Donc ça peut être chaud quand même de se taper chez Hall. Hein. Ça peut être quand même un peu chaud. Ouais, vu la chance que l'on a, il y a moyen de récupérer un cœur ici, à vous. Allez, de toute façon, tu vas te prendre une bombe dans la gueule, donc autant lâcher un truc. Et peut-être que je lâcherai pas de bombe. Peut-être. Putain, il va me cramer toutes mes pièces et il va rien me donner, vous allez voir. Ah, merde. Ah, tu fais chier, allez hop. On va pas perdre de temps. Putain, pour deux clés, bon, ça me sert à rien du tout, hein. C'est pas grave. J'espérais éventuellement avoir un petit cœur rouge, parce que là, pour le coup, le cœur rouge aurait fait du bien. Vu qu'il m'en manque deux. Allez, on trace. Tout ça, on s'en contrefou. On pourrait tryhard un petit peu et essayer de trouver des petites salles secrètes, mais là pour l'instant. Voilà, pas envie de m'embêter avec ça. Mais on a des bombes, hein, donc on pourrait le faire. Oh là. On a des bombes, donc on pourrait le faire. On pourrait chercher un petit peu des secret rooms. Allez, hop, on nettoie. On va t'aider, Billy Boy. Allez, bien, en plein sur les pics, l'autre il allait s'empaler comme une merguez. Ah, voilà, c'est pas énorme, mais je prends. Ça, je prends pas, par contre. Toi, j'ai failli te rater, ça serait très con. Surtout que je pense que j'aurais eu entre 150 et 160 commentaires me disant « t'as raté !» Oh, la vache, j'ai failli me le prendre, lui. Hein. On va le laisser pour la fin, lui, hein, parce qu'il est easy. Hein. Il suffit que mon cube of meat aille lui apprendre le respect, ça sert à rien de se focus dessus. Hein. Allez, voilà, très bien. Allez, le boss, il doit être par là, hein. Ah oh, non, sérieusement. Non. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, on se dépêche. Vous voyez, j'ai pas un DPS de ouf, hein, quand même. Hein. J'ai pas un DPS de ouf. Après, bon, j'ai quand même une compo qui est... Ah, shit. J'ai quand même une compo qui est pas dégueulasse, mais j'ai pas du gros DPS, quand même. Donc ça peut être chaud chez Hall, hein. Alors, un de moins... Non, 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 tu vas pas me la refaire, par contre. Je sais pas si la Bible marche sur Sheol. J'aurais tendance à dire non, parce que ça serait un petit peu easy, quand même. Mais, du coup, si on arrive jusqu'à lui, ça serait l'occasion de... Bah, l'occasion de vérifier, au final, si ça fonctionne ou pas. Mais je suis pas sûr. Tiens, vas-y, tu peux aller le... Voilà. T'as bien évidemment, j'ai pas pris le bon chemin. Forcément. Allez, hop, on descend. Attends, j'aurais fait quasiment tout l'étage, hein. Non. Non, 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 voilà. C'est toi qui vas t'en occuper. Alors, en soi, là, c'est pas facile parce que... Ah, la vache, ils sont pas mal quand même. Hein. Le problème, c'est que je sais pas si la Bible fonctionne. Et j'aurais tendance à dire que ça ne fonctionne pas, donc... Necromonicon. Book of Shadows, je sais pas. On va prendre ça, écoutez. Par contre, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça fonctionne ou pas. Peut-être qu'après, c'est pas comme Mom, ça va pas one-shot le boss. Mais peut-être qu'on fait quand même un pourcentage de dégâts. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous avez l'info, ça peut être intéressant à savoir. Pour une prochaine fois. Hein. Mais c'est vrai que là, je sais pas comment ça fonctionne. En même temps, il y a tellement de trucs à savoir sur ce jeu qu'avant de le maîtriser, il faut quand même plus que tryhard. Hein. Faut quand même plus que le tryhard. Allez, vas-y, ça devrait aller assez vite. Voilà, vas-y, bloque-le, parce qu'il a quand même une bonne vitesse. Ah, j'avais eu pas mal de speed-up, hein, ceci dit. Hein. Donc je devrais pouvoir le tenir à distance assez facilement, pour le coup. Ok, bon, on n'est pas full life, mais bon, là, on va pas gratter plus que ça. Allez. Allez, salut. Tac. Là, double. Non. Faut juste que je fasse gaffe, c'est au laser. Parce que généralement, les lasers sont pas difficiles à esquiver. Et j'ai toujours tendance à me les prendre en pleine poire. Allez, Cube of Meat, il fait le job. Hein. Il est... Ah là ! Ok, ça a été chaud. J'ai failli me faire toucher. Mais c'est passé. Allez, 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 tu crèves. Voilà. Allez, à ton tour. Ah, merde. Merde. Allez, ça, on esquive. Ah, par contre, là, quand ça va vite comme ça, c'est chaud. Ok, j'ai déjà perdu beaucoup de vie. Vous voyez, l'air de rien, en termes de DPS, je suis pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Ah, oh, putain, j'arrête pas de me faire toucher, donc ça pue.
Oh, ça pue du cul à l'infini et au-delà. Je suis pas sûr de réussir à le tuer. Hein. Oh. Surtout pas comme ça. Ah merde. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, au moins j'aurais tenté le coup, écoutez. Hein. Bref, allez, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette run vous aura plu. Bon, ce qui fait plaisir quand même, c'est qu'on est arrivé au bout du challenge. On a réussi à le faire. Et puis bon, on a eu le petit bonus avec la petite visite chez Hall. Donc ça fait plutôt plaisir. Je vous laisse là. Un énorme merci d'avoir suivi. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Tchou tchou.